Bonjour les amis. Alors aujourd'hui, je vous propose une recette toute simple. On va se faire une petite tarte aux abricots avec un crumble par-dessus. Vous m'en direz des nouvelles. Alors c'est parti. Donc pour les ingrédients, alors on va commencer par la pâte à tarte, bien entendu, puisqu'elle doit poser 1 heure au frais. Donc la pâte à tarte, il va vous falloir 230 g de farine T65, 80 g de sucre de canne, 80 g de beurre coupé en morceaux et un gros œuf. Donc c'est parti, on va commencer par mélanger la farine avec le beurre qu'on va faire fondre, le sucre et l'œuf. Alors c'est parti, on va sortir son fichier micro-cook. On va y mettre les 80 g de beurre et on va faire fondre. Donc, il n'y a pas besoin de le mettre très longtemps, 1 minute 30. 1 minute 30 à 500 watts, c'est suffisant. Alors. C'est parti, on va déjà mettre 1 minute. Alors, en fonction des micro-ondes, 500 watts chez moi, c'est peut-être pas la même chose que chez vous. Donc, il faut adapter en fonction de votre micro-ondes. Alors, le beurre est en train de fondre. On va préparer la farine. Voilà. 230 g, je rappelle. Alors, moi, ce que j'aime bien, c'est commencer déjà à la mélanger avec mon fouet plat. Je ne vais pas dire que ça tamise la farine, mais presque. Il est tellement exceptionnel, ce fouet. Voilà. On va y mettre le sucre. Le beurre est presque terminé. On va ajouter le beurre fondu. Voilà, ensuite on va ajouter l'œuf. Et tout simplement, on va mélanger. Alors moi, je commence à mélanger avec mon fouet mélangeur. Comme vous le savez, il n'est pas fermé. Donc ce qui fait que la pâte ne reste pas coincée dans la boule et ça évite de mettre les mains tout de suite. On va y venir, hein, de toute façon, on va y mettre les mains, mais... Voilà, ça permet de démarrer la pâte. Voilà, regardez, ça a déjà bien commencé. Maintenant, je vais le déposer sur mon plan de travail. Et puis, on va terminer à la main, bien sûr. Hop, jusqu'à obtenir une belle boule. Donc là, vous allez fraiser hein, pour vraiment obtenir une belle pâte. Alors, il ne faut pas la travailler trop longtemps, hein, la pâte sablée, parce que si vous la travaillez trop longtemps, elle va être friable et elle va se casser trop facilement. Voilà, c'est suffisant. Il n'y a pas besoin de plus.
Donc maintenant, on va la filmer et on va la mettre une heure au frigo. Donc on la filme hop, au contact et c'est parti pour une heure de frigo. On se retrouve tout de suite. Alors, pendant que notre tarte est en train de prendre le froid, pendant une heure, on va commencer à préparer nos petites verrines. Alors, ce sera des petites verrines façon tiramisu. Cette fois, j'ai choisi poire caramel et spéculoos. Bon. Tout pour la ligne, de quoi se faire plaisir. Alors, on va commencer par la crème pour le tiramisu. Donc, c'est parti. On va fouetter les jaunes d'œufs. Hop. Alors, vous vous doutez bien que si on va fouetter les jaunes d'œufs, ça veut dire qu'on va monter des blancs en neige. Donc, on va tout de suite mettre les blancs dans le Speedy Chef et les jaunes dans un bol. Alors, les jaunes, on les garde pour après. On va commencer, hop, les blancs, on les garde pour après. C'est mieux si je le dis dans le bon ordre. Alors, les jaunes, bien sûr, on va y mettre du sucre et du sucre vanillé. J'ai décidé à la dernière minute, du coup, j'ai rien préparé. Hein. J'ai pas préparé les ingrédients, c'est pas bien. Alors, avec les jaunes, on va y mettre un sachet de sucre vanillé et on va y mettre également le sucre. Alors, le sucre, on va mettre 100 g et on va mettre du sucre de canne. Voilà, et on va commencer. Voilà, maintenant on va ajouter le mascarpone. Donc le mascarpone, 250 g, soit un petit pot. Et on transforme en tomate. Bon, jusque là, il n'y a pas de grand secret, hein, c'est juste une préparation de tiramisu. Je pense que là, je vous apprends rien.
inventé les blancs en neige. Je ne vous le présente plus, vous le connaissez tous. Le Speedy Chef 2. Alors, dans le Speedy Chef, on va monter les blancs en neige. Donc, position 1, c'est du liquide, c'est des blancs en neige, ça va très très vite. L'affaire est dans le sac, on n'en parle plus. Donc là, c'est vraiment très très rapide, hein. En 30 secondes, on a des blancs en neige. Et on va incorporer ces blancs en neige à notre préparation. Les blancs en neige, ouais, vous pouvez les incorporer en deux à trois fois. Hein, selon... Alors, une fois qu'on a incorporé les blancs en neige, on va mettre la crème au frigo. Et pendant ce temps, on va préparer les poires. Alors, les poires, eh bien, c'est parti. On va les éplucher. Donc là, c'est pareil. Hein, je ne vous présente plus l'éplucheur Tupperware. Je pense qu'on en a tout un dans la cuisine. Et on va venir peler les poires. Voilà, et une fois qu'on l'a pelé, on a le vide-pomme chez Tupperware qui est en vente ce mois-ci. Profitez-en, il ne va pas rester très longtemps. Et ben, même si voilà, c'est un vide-pomme, on va bien sûr y vider également les poires. Hop, voilà, très facile. Et... très pratique. Et on va faire la même chose avec les quatre poires. À tout de suite. Alors, une fois que les poires sont épluchées et vidées, on va les couper en morceaux. On va faire des cubes. Alors, les trois premières poires, on les coupe en petits cubes et on va les mettre dans le pichet micro-ondes. La dernière, on va également la couper en cubes, mais celle-ci, on va la garder pas cuite, puisque là, on va... les cuire un peu pour que ce soit fondant. Ici, on va les garder croquants.
mélange de texture. C'est délicieux. Voilà, donc ceux-là, je vais les remettre dans l'assiette. On va les garder de côté pour tout à l'heure. Et ici, mes petites poires dans le pichet micro-cook. Hop, je vais les mettre au micro-ondes. Alors, je vais les mettre environ 8 minutes à 600 watts pour qu'elles soient fondantes. On se retrouve tout de suite. Alors, une fois que les poires sont cuites, on va les changer de récipient. Et mon moment préféré, on va y mettre du beurre caramel beurre sec. La quantité de caramel... au pif, hein. Faites-vous plaisir. Hop, le but, c'est qu'on sente quand même le goût du caramel. Moi, je peux vous garantir qu'on va sentir le goût, il n'y a aucun problème. Voilà. Et ensuite, bon, on va mélanger. Et on va laisser les poires... s'arriver de caramel jusqu'à ce qu'elle refroidisse. Voilà, mon petit mélange est prêt. Alors, pour celles qui aiment, vous pouvez saupoudrer d'un peu de cannelle, mais bon, tout le monde n'aime pas. Mais c'est facultatif. Donc, voilà. Donc là, je vais laisser mes poires refroidir dans le caramel. Mince, j'ai mis mon doigt dedans. Quel dommage. Alors, je vais les laisser refroidir. Et pendant ce temps, on va revenir à nos spéculoos. Alors, je vais utiliser le nouveau TurboMax, comme vous le savez, avec le tout nouveau design. Donc, les lames, ce qui a changé en fait, c'est que les lames sont légèrement incurvées pour aller ramasser encore mieux les ingrédients du dessous. Pour que tout soit vraiment haché finement. Le couvercle, eh bien, il n'y a plus besoin de quoi que ce soit pour le déclipser, puisqu'il y a le petit bouton poussoir ici. Donc, on appuie et on tourne. Voilà, ça se déclipse très facilement. Et ben, pour le remettre, hein, on clique dans le sens inverse. Hop, et voilà, très pratique. Il n'y a plus de petits rebords, donc la ficelle, elle ne peut plus frotter sur le rebord. Ça, c'est très pratique. Et le trou n'est plus dans la lame, mais dans le couvercle. Voilà, petit rappel, vite fait. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mixer nos spéculoos. Je dirais qu'il en faut une bonne vingtaine, 20-24. Voilà, voilà, donc on va laisser de côté et on va revenir à la tarte. Je vais débarrasser, je sais pas vous, mais moi quand je cuisine, c'est le boxon dans la cuisine. Voilà, alors on va revenir à notre tarte. Donc pour la tarte, je vais vous montrer en fait deux moules différents. Alors si je vous les montre, vous allez dire bah c'est pas pour rien, hein, oui. Forcément, c'est qu'on les vend en ce moment. Donc cette semaine uniquement ce week-end, le moule à Molly Cake est en promotion et on a également tout le mois de juin le moule à moelleux ou le moule à cupcake, comme vous voulez. Et moi, je vais vous montrer que dans ces moules-là, on ne fait pas que des Molly Cake et on ne fait pas que des moelleux. Donc, on va aller chercher sa boule de pâte.
qu'on va mettre entre deux feuilles de papier sulfurisé. Voilà. Et ensuite, alors je vais l'aplatir un peu et après, avec son rouleau, le rouleau modulo, eh bien on va venir, voilà, rouler la pâte assez fine pour que, voilà, qu'on sorte bien surtout ce, dans quoi, enfin, ce avec quoi on va la garnir, notre pâte. Allez, c'est parti, on roule tout ça, on se retrouve tout de suite. Alors, les fonds de tarte sont prêts. Alors, je vous montre, regardez, voilà, je les ai installés dans le moule à moelleux et dans le moule Molly Cake. On va piquer les fonds de tarte, bien sûr. Hop. Voilà. On a préchauffé le four, bien sûr. J'ai oublié de vous le dire, mais je suis sûre que vous y avez pensé. Donc, on le préchauffe en chaleur tournante à 180 degrés. Et bien sûr, on retire la grille du four. Ça, vous avez l'habitude, je crois que je le dis assez. Alors, du coup, notre fond de tarte est prêt. Avant de venir y mettre les abricots, on va préparer le crumble. Alors, pour le crumble, il faut 100 g de beurre froid en morceaux. Ensuite, on va ajouter la farine. Donc, de toute façon, c'est 100 g, hein, c'est du temps pour temps. Donc, 100 g de farine. Là, je vous donne les ingrédients pour faire une grande tarte à la base. Hein. Donc, peut-être on en aura trop, mais je saurai quoi en faire, ne vous inquiétez pas. Hop, 100 g de farine, 100 g de sucre. Et 100 g de poudre d'amande. Voilà. Et là, on va bien se laver les mains. On va faire travailler nos petites mimines. Allez, c'est parti. Du bout des doigts, on écrase le beurre, on mélange tout en fait, la farine, le sucre, la poudre d'amande. Voilà, on écrase. Hop. Une fois qu'on a un bon crumble, on va cette fois monter les tartes. Hop, donc dans les petites c'est simple, hein. Un ourillon d'abricot et c'est terminé. Voilà. Alors, vous pouvez mixer les fruits. Moi, la dernière fois, j'ai fait fraise rhubarbe. C'est très, très bon. Là, vous pouvez faire pêche abricot, par exemple, ou ananas. Vraiment, libre cours à votre imagination. Mettez les fruits que vous aimez. À la banane aussi, c'est très bon. Banane chocolat. C'est très, très bon. Voilà. Pour les abricots, c'est bon.
nappe. Et ensuite, on va venir mettre du crumble par-dessus. Et ensuite, on va enfourner. Donc, on va enfourner pour 40 minutes. Il faut que ce soit, enfin, la pâte sablée, il faut qu'elle soit bien cuite. Il faut qu'il y ait du croquant, il faut que ce soit croustillant. Voilà, il faut que ce soit bien marron. Une pâte sablée, c'est très important. La cuisson, elle doit être, ça doit être croquant. Si c'est pas croquant, c'est qu'elle n'est pas cuite. Alors. Voilà, on recouvre bien toute la tarte jusqu'au bord. Voilà, on enfourne et on verra le résultat tout à l'heure. Voilà. Et on vient à nos verrines. Alors, on va passer au dressage des verrines. C'est parti. Donc, la crème, une fois qu'elle a bien pris au froid, je vais la mettre dans ma poche à douille. Voilà. Dans le fond de mes verrines, je vais mettre du biscuit. Voilà, alors vous vous souvenez qu'on avait mis les poires au caramel au frais. On va venir mettre des poires fondantes. Voilà. On va mettre quelques morceaux de poire qu'on a laissé fraîches par-dessus. Voilà. Allez, pour que ça soit joli, on prend un sopalin. Hop. On enlève les petites traces. Ensuite, on va déposer de la crème, environ 2 cm. Alors moi, souvent, je fais 2 tours. Voilà. Alors, il fait chaud, forcément.
Il faut vite après les remettre au frigo. Ensuite, on va venir décorer. Bah alors là, c'est comme vous voulez. Je prends ce que j'ai. Je vais ouvrir l'autre côté, j'en ai partout. Voilà, ça fait de jolies verrines. C'est appétissant. Et bien sûr, les verrines, on va les replacer au frigo pendant au moins 2 heures pour que ce soit bien frais au moment de servir. Donc, hop, tout de suite au frigo. Et maintenant, je vais vous montrer le résultat des tartes. Voilà, elles sont magnifiques. Je vais vous montrer ça. À démouler, forcément, ça reste du silicone, donc c'est très très facile. Voilà, regardez, des jolies petites tartes. Alors du coup, je vous ai montré le moule à moelleux. Ça change. Et puis on voit qu'il est polyvalent parce que bah, on se dit bah, on peut faire des moelleux, on peut faire aussi des petites tartelettes, bah oui ça s'y prête. Donc le moule à moelleux, je vous ai montré aussi que dans le moule cake, eh bien également on peut aussi y faire ses tartes. Donc tartes, quiches, pizza, des moule cakes bien sûr, des gâteaux montés. On peut également faire de la panna cotta. Voilà, il y a plein de bonnes choses à faire dans ce moule. Et là, du coup, je vous ai montré les deux. Vous vous dites, mon Dieu, je ne sais plus lequel choisir. Choisissez pas, prenez les deux. Allez. Bon, c'était facile, j'avoue. Allez, c'est parti. On démoule. C'est encore un peu chaud. Hein. Donc, le mieux, c'est vraiment d'attendre que ce soit totalement froid. Mais sinon, enfin, je vais vous montrer comme ça. Parce que c'est encore un peu chaud. Vous voyez ici, voilà. Enfin, le démoulage, il est très, très facile. Donc on va attendre encore un peu parce que c'est encore un peu chaud. Il faut un peu plus de temps. Mais voilà, je vous montrerai, je vous mettrai une photo sur mon mur Facebook. Donc n'oubliez pas d'aller voir sur mon mur pour voir les promotions avec les différents prix. N'hésitez pas à me contacter également par message privé si vous voulez avoir des informations. Je reste à votre disposition. Je vous mettrai une petite photo pour le résultat. Les copines vont arriver, on va se régaler pour le goûter. Et puis voilà. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine recette. Profitez du soleil en famille ou entre amis. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très vite. Bye bye!